Good morgen, allez, Yidan Nessus sera aujourd'hui le Nishmat François Fashi Ben Chana, Janine Ruth Batfoto de Mazel Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Brachot, Perek He Mishnah Aleph. En Omdim le Hit Palel, Ella Mitor Koved Rosh. Chassidim Arishonim Ayoshoim, Shahachat ou Mitpaledim. Kedesh Aichavnu et Libam, Lam Makom. אפילו המלך שואל בשלומו, לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. On continue avec les ilchot brachot sur la manière de prier, et je traduis la première partie déjà. En omdim l'itpalel, ela mitor koved rosh. On ne se lèvera pour prier que avec une tête lourde. Ça veut dire quoi avoir une koved rosh? Le contraire de la... De Kovet Roche, c'est Kalout Roche, la légèreté d'esprit. Quelqu'un qui a un petit peu de trop, qui rigole trop. Kovet Roche, c'est quelqu'un de très sérieux qui est plongé dans ses pensées. Et ça implique en fait, comme il nous dit, le Bartanora Achnaa Umora, qui sent qu'il est en train de partir, il va maintenant, il s'apprête à parler devant quelqu'un qu'il vénère, devant Hachem, et se sentir petit devant lui et le craindre. D'accord, achnaa, nichna, courbé, dans le sens, bémet, que ça implique aussi d'avoir la tête lourde. Quelqu'un qui a la tête lourde, il penche la tête, il n'est plus. Quelqu'un qui rigole, il a la tête comme ça, en train de regarder tout le monde. C'est la tagouf, je ne sais pas comment ça va, c'est le langage du corps. Et quelqu'un qui a quelque chose qui le préoccupe, alors il a, au contraire, il a tendance à baisser la tête aussi. Ça implique aussi de prier aussi comme ça. Et parce qu'il faut servir Hachem, Beira. Précision importante, aussi regardez qu'on n'a pas dit qu'il faut prier avec Kovod Rosh. On a dit qu'on ne se lèvera pour prier qu'avec Kovod Rosh. C'est-à-dire, se lever pour prier, ça veut dire se lever pour faire l'Amida. Au moment où tu t'apprêtes à entrer dans l'Amida où on se tient debout, d'accord, debout sans bouger, alors avant de pénétrer, d'entrer dans l'Amida, on commence d'abord à réfléchir à combien Hachem est grand, combien Hachem est fort, combien on dépend entièrement de lui. Et de ce fait, on approche l'Amida avec sérieux. Ensuite, Chassidim Arishonim Ayushohim Sha'achat Umitpalelim Kedeshe Chavnut Libam Lamakom. La Mishnah nous donne un exemple de manière de prier avec les Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, les premiers hommes qui étaient les élés de l'époque qui se donnaient beaucoup dans la Avodat Hashem. Alors, Ayushohim Sha'achat, ils patientaient pendant une heure avant de prier. C'est-à-dire qu'au moment de commencer leur prière, ils patientaient. Alors, au sens simple, on comprend qu'ils se tenaient debout sans prononcer aucun mot de tfila pendant une heure. La Gemara, elle explique même une heure avant de commencer la tfila, une heure pendant la tfila et une heure après la tfila. Et passer trois fois par jour. Et la Gemara nous fait le compte 3 heures, ça fait 9 heures, sachant qu'on a à peu près 12 heures dans une journée. Depuis le moment où on s'est levé jusqu'à le moment où on rentre le soir, plus ou moins à la maison, eh bien, ça nous laisse 3 heures pour étudier et pour travailler aussi. Travailler aussi ces gens-là. Et la Gemara pose la question, alors quoi, pendant 3 heures, ils avaient le temps d'étudier et de travailler. Et la Gemara répond, oui, effectivement, ils avaient tout le temps. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils étaient chassidim, leur Torah, elle se préservait dans leurs entrailles. Fila mishtamer et tochmean. Et leur travail avait une grande bracha qu'avec rien ils réussissaient tout. Ok? On avait expliqué déjà dans la fin de Kiddushin le principe, c'est très logique si on réfléchit positivement. Et c'est sûr que c'est dur de réfléchir positivement comme ça. Mais concrètement, en théorie, tout homme doit recevoir sa parnassa. Il n'y a personne qui ne reçoit pas au final sa parnassa. Sa parnassa, ça implique manger et vivre et se vêtir. D'accord? Il n'y a personne qui ne reçoit pas ça. Chez les animaux, c'est tout à fait naturel, très facilement. Jamais ils sont posés des questions, ils reçoivent ça beaucoup toujours. L'homme, parce qu'il a, Adam Rishon a fauté et nous on faute après lui, alors on continue, on doit tous peiner pour obtenir notre parnassa. Si jamais au lieu d'aller travailler encore plus dur, on va au contraire plus se donner dans la Torah et la Avodat Hashem, et bien forcément, il n'y aura plus besoin de peiner, on résout le problème à la source. D'accord? C'est le principe. Et on continue notre Mishnah. Autre précision si jolie, chez Chamnat Libam Lamakom. Donc, je traduis la phrase. Chassidim Arishonim Ayushoim Sha'achat Umitpalelim. Les premiers Chassidim patientaient pendant une heure avant de faire leur tefila. Kedé chez Chamnat Libam Lamakom. Afin qu'ils puissent
concentrer leur cœur vers l'endroit, c'est-à-dire Hachem qu'on appelle Amakom. Baruch Amakom, Baruch Hu. On appelle Akadosh Baruch Hu Amakom. Et il y a là, c'est précisé par je ne sais plus qui parle de. C'est ici. Akadosh Baruch Hu Shomakom Moshalolam. Comme ça, il rapporte ici, je ne sais pas au nom de qui, de Tosotan Shechem. Il rapporte que Shechem Neleva Makom, comme on a déjà évoqué dans le principe, de se concentrer qu'il y a quelqu'un derrière toute cette réalité. Comme si qu'il y a la réalité du monde qui semble concrète, en réalité c'est un voile qui voit la présence d'Hachem, et il faut, on pense, on dit comme Moshalolam, que là, en ce moment, on est devant Hachem, ah, c'est pas la peine de s'imaginer qu'on voyage à des années-lumière dans le ciel, tout se passe sur place, sur terre, on lève le voile, Hachem il est là. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, et c'est ce que chacun à son niveau il doit le faire. D'accord ? Un filo à Melech maintenant. Concrètement, à part les principes généraux de la Tfila qui sont merveilleux, bien sûr, eh bien la Mishnah me dit, il y a même des halakhot concrètes aussi. Un filo à Melech Shoel Bishlomo, même si le roi, pendant que tu es en train de faire ta Tfila, le roi vient et te demande, oh bonjour, comment tu vas ? Tu lui réponds pas. Lo Yeshivenu. Et même si pendant que tu pries, il y a un serpent qui vient et qui te fait le tour de ton pied, tu ne t'arrêtes pas, tu continues ta tefila. Tu restes calmement parce que tu es devant le roi. Alors là, je vous ai traduit ça tel que c'est écrit, mais ce n'est pas aussi violent. C'est un petit peu plus adouci, quand même par quelques précisions, que d'abord le roi qui te pose une question, on parle d'un roi juif, qui sait ce que ça veut dire être devant le roi, d'être devant le roi des rois. Et donc dans ce cas-là, tu ne le réponds pas parce que pour le moment, tu es en train de crier à Hachem. Et si, quand tu finiras, tu l'expliqueras que tu t'excuses, mais tu étais devant le roi des rois et il acceptera ta réponse. Mais s'il s'agit d'un roi goy, que si tu commences à ne pas lui répondre, il va te trancher la tête, tout de suite ou au fil du temps, tu vas détériorer les bons rapports jusqu'à ce que ça se finisse mal, là, tu lui réponds même pendant la mida. A priori, tu veilles à ne pas entrer dans le conflit. Si tu entends que le roi est en train de venir en plein amida, tu bouges. Il n'y a aucun problème à bouger pendant. Il n'y a pas aucun problème. La solution la plus proche pendant qu'on est dans l'amida, qui a un quelconque problème, c'est de bouger. Au lieu de parler, au lieu de faire des gestes, la meilleure des choses, c'est bouger. Quand tu as un problème, en plein amida, tu bouges. Ça implique le roi, tu entends que le roi, ou bien peur, quelqu'un qui vient qui va te déranger, tu pars dans un endroit où tu vas être plus concentré. Ne rentre pas ici en conflit, où tu vas devoir déranger les gens. La même chose entre parenthèses, si toutefois. Un enfant qui fait du bruit, qui te dérange. Un enfant, imaginez, solution simple. Ça, c'est fréquent aussi. Quelqu'un qui fait cette fille-là à la maison, ou bien qui a pris son petit à la synagogue, et puis d'un coup, en pleine amida, il sent que le petit a fait sur lui. Et il dégage des odeurs. On n'a plus le droit de continuer la prière. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge. C'est pas la peine de dire à quelqu'un de prendre le petit. Si le petit ne peut déranger personne, si ce n'est que toi, toi, tu bouges, tu le laisses sur place, tu bouges, tu vas ailleurs, tu continues cette fille-là. La meilleure des solutions, toujours dans l'amida comme un problème, c'est de bouger. Plus que de parler ou de faire des signes. Selon ce principe aussi, même l'histoire du Nahash, alors d'abord précision, Nahash, un serpent, c'est pas un scorpion, le scorpion il est beaucoup plus violent, il ne pardonne pas, le Nahash, des fois, il te fait le tour du pied, mais il ne veut pas te mordre. En général, même si ça va porter dans le pandora, Rov a fait Amin, il ne te mord pas. Dans ce cas-là, tu restes concentré dans ta Amida. Tu as le droit, toutefois, de bouger, selon le même principe. Si toutefois le Nahash, tu sens que si jamais tu bouges, il va te lâcher un petit peu, tu bouges, tu pourras aussi bouger. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha kol tov u'selam.